Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis dégoûtée, je viens de m'apercevoir que j'ai perdu mon cadre pour broder bleu. Je sais pas si vous vous souvenez, genre vous allez me dire oui, mais vous vous souvenez, j'ai un cadre bleu rectangulaire en plastique que j'avais eu avec un partenaire. Je peux pas dire lequel parce que bon, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Mais je l'ai paumé. J'ai cherché partout. Dans ma pièce. Dans mon salon. Dans mes sacs. Dans mes trucs. Je ne le vois pas. Pourtant, il est assez grand. Et bah, je suis deg. Je suis dégoûtée. Parce que bah, je l'aimais bien quand même. Il était pas mal. Bref. Aujourd'hui, c'est pas la question. Aujourd'hui, c'est un partenariat avec la société Paint Some Way, il me semble. Attends, je regarde dans mon petit carnet. Parce que... oui, Paint Some Way. Donc, j'ai fait ma sélection le 4 juin. Le 4 juin, j'ai pris une nouveauté. J'essaye de prendre des nouveautés, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et puis c'est bien. Donc... j'ai fait ma sélection le 4 juin et je l'ai reçue aujourd'hui, il me semble, ou hier. Non, aujourd'hui. Et nous sommes le 28. Un truc comme ça. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Alors, évidemment, Paint Some Way, c'est... je manque à tous mes devoirs, mais... c'est une société qui fait essentiellement du point de croix, des accessoires de broderie et il y a du diamond painting également. Et donc, ce que j'ai pris, c'est une toile de chez Yeshu. Et c'est une nouveauté. Et j'avais trop envie de tester. Voilà. Voilà. Alors, ça colle un petit peu. Voilà. C'est un léopard. Attends. Parce qu'elle est plus grande que ça, en fait. Alors, le patron a morflé. Je pense que cette année, cet été, on va encore avoir des soucis avec les patrons. Mais bon. Regarde. Regarde la beauté. Donc, elle est toute en longueur. Et c'est je t'ai dit quoi? Un léopard. Il y avait plusieurs modèles. J'essaierai de vous mettre des captures d'écran. Il y avait un lion, des tigres. Enfin, en tout cas, c'était des animaux de la savane. J'adore. Voilà, moi, j'ai choisi le léopard. Je le trouvais magnifique. Mais il y en a d'autres qui sont très jolis aussi. Ils étaient tous très beaux. J'ai eu du mal à faire mon choix. Et ça fait partie des nouveautés. C'est des toiles tout en longueur. Très, très belles. Enfin, elles ont l'air très, très belles. Par contre, le patron a bavé ici, vous voyez. Ça, c'est dû au stockage, je pense, à la chaleur dans les entrepôts, malheureusement. Et elle a 50 couleurs. Donc, c'est vraiment bien. 50 couleurs, c'est super. Elle est un petit chouïa confetti, je pense. Ouais, elle est un petit chouïa confetti quand même. Mais ça devrait bien se passer. Ouais, non, ça va. J'aime bien les Yeshu. Maintenant, je commence à bien les aimer. Ouais, là, il y a eu un gros souci avec le patron. Hein. Si vous voulez la faire en point compté, ce sera pas possible parce qu'ici, il manque le quadrillage. Ça va être compliqué. À moins que vous demandiez au fournisseur, quoi, que, enfin à la boutique, que vous leur demandiez le... comment on appelle ça? Le PDF, voilà. Il y a certaines boutiques qui vous l'envoient. Mais là, ouais, il manque les carreaux. Hein, donc, c'est pas très facile. Donc, mais on s'en fiche. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fiche puisque je suis pas partie pour la faire en point compté. Je suis partie pour la faire en estampé. Voilà, donc je la trouvais très jolie. On va regarder la toile parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que au niveau du format, je la trouve originale. Voilà, donc elle est toute en longueur. Voilà, elle est belle. Ah ouais, elle est belle, elle est bien imprimée. Elle est imprimée un petit peu foncée, mais ça va. Donc là, c'est le bas. Attends, c'est le bas avec du noir ici. Hein. Attends qu'ils réfléchissent.
Ouais, en fait, ils n'ont pas fait le détail vraiment, mais bon, on verra. Si, un petit peu. Ok, les symboles. Alors, ouais. Elle est imprimée fort, hein. Est-ce que ça ira? Je pense que oui. Ça va. Ce symbole-là, c'est quoi? Là, il y a un symbole qui n'est pas clair. Hein. C'est lequel? C'est quoi ce symbole-là? J'imagine que c'est le 32, mais j'ai un petit doute. Parce qu'on dirait qu'il y a un point blanc au milieu, tu vois. J'ai plutôt l'impression que c'est ça, en fait, le 14. Ouais, parce que le 32, il est là. Ouais, donc ça, c'est le 14, ok. Le léopard, la tête du léopard, elle est là. C'est pas mal. Elle est bien. Vous avez la miniature ici. Moi, j'aime bien. Je vous montre de plus près les symboles. C'est vachement soutenu, mais bon, ça va, ça passe. Il y a beaucoup d'encre. Mais ça n'a pas trop bavé, ça va. Ça n'a pas bavé, en fait, hein. Elle est confetti, oui et non. Un petit peu. Ici, par exemple, il y a un confetti là. Un petit chouïa. Mais elle est correcte. Alors, ce symbole-là, c'est pareil. C'est lequel? On dirait que c'est celui-ci. Mais j'ai un doute. Non, ça doit être celui-là. Ouais, le 08. Parce qu'après, le 46, donc celui-ci, il est où? Ouais. Il est là. Donc là, c'est pas évident à voir, hein, parce que vous avez du 46 sur la première ligne et du 08 qui se mélange avec le 46. Donc là, c'est pas trop trop évident à voir. Donc faudra faire attention. Mais après, vous regardez sur le patron si vous avez un doute, hein, bien sûr, évidemment. J'aime bien. Voilà, donc je voulais essayer. C'est récent, hein, ces formats tout en longueur. Je voulais tester ça. Donc je vais vous donner les mesures exactes. Donc en largeur, elle fait 24. Donc tu vois, c'est petit, hein. Et en longueur, je crois qu'elle fait dans les 70 ou 80. En longueur, on va essayer. 30. Attends, 30. Ah. Pas évident, hein. 30, 60. Ouais, elle doit faire 80 ou 90 même. 60. Ouais, elle fait environ 90 cm. 90 cm en hauteur et 30 cm de large. Donc j'aime bien. Bah j'aime bien moi parce que en fait je pense que je vais faire comme ça. Voilà, tout simplement. Tu la replies du bas et tu brodes comme ça. Ou même ce que je fais moi, c'est que je les retourne. Voilà. Je les retourne, tac. J'aime beaucoup. Alors, fais voir. Donc là, il y a des confettis. Là, il y a des confettis. Tu vois. Un point là, un point là, un point là. Trois points différents. Et qui se retrouvent ici. Ouais, il y a un petit peu de confettis quand même, hein. Elle est un peu confettis. À voir. Là, c'est pareil. Il y a du confetti ici. Mais bon, on va regarder les couleurs. Alors, dans une de mes vidéos, quand tu vois que l'encre a débordé derrière, comme ça, c'est qu'il y a un petit peu trop d'encre. Il faut
voire un peu, mais pas trop. Donc là, il y a trop d'encre, tu vois, ça se voit. Mais ça va, ça passe. Donc au niveau des teintes, donc je t'ai dit, il y a 50 couleurs, beaucoup de marron. Voilà. Alors on va essayer de défaire ici. Je ne vais pas trop te dire le détail, mais c'est les couleurs de la savane. Il y a un joli orangé doré ici. Pas mal de noir. Du marron foncé, évidemment. Des beiges. Un petit peu de rouge. Et de l'autre côté, nous avons des verts. Tu vois, des verts. Un bleu, ça c'est du 939. Ici nous avons un lit de vin un petit peu. Très joli. Très bien. Les couleurs pour moi correspondent, hein. On a le fond de la toile qui est dans les beiges. Et ensuite, la tête du léopard. À voir si ça va se faire avec ces teintes-là. Ici, on a les fleurs. Ouais, très très sympa. J'aime beaucoup, j'aime bien. À voir si elle n'est pas trop confetti quand même. Mais bon, elles sont moins confetti maintenant, les Yeshu, par rapport au départ quand on les a connues. Je vous rappelle qu'avant, c'était la société, on l'appelait la société sans nom. Et elle était beaucoup plus confettie. C'était beaucoup plus confettie, les trucs. Là, maintenant, ça va. C'est un peu plus correct. C'est moins prise de tête. Il y a un petit rose, là. Ça, c'est pour les fleurs. J'adore les couleurs des verts. Pour les feuilles. Non, elles sont très belles. Il y a un petit gris aussi. Un gris ici. Ouais, non, ça va. Donc cette toile était au prix de 13 euros environ sur le site Paint Samway. Donc, eh bien, je l'aime beaucoup, ma foi. Et vous irez voir parce qu'il y a beaucoup de modèles. Il y a une dizaine de modèles. Et j'ai longuement hésité. Il y a notamment, je crois, il y avait un tigre blanc qui était très beau, mais... J'avais peur de me lasser des couleurs parce que c'était blanc et bleu, je crois. Mais il est très joli aussi. Il y a un lion, il me semble. Enfin, en tout cas, je vous mettrai les photos. Eh bien, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Oh, elle est jolie. Puis comme ça, en longueur, c'est sympa. Voilà les gens. Eh bien, voilà pour ma petite sélection chez Paint Someway. Je ne sais pas si j'ai un code de réduction. Mais si j'en ai un, je vous le mets en barre d'infos. Donc la barre d'infos, hein, c'est le plus. Vous avez le titre de la vidéo et vous avez plus trois petits points. Vous cliquez là-dessus et vous atterrissez dans la description. Et vous avez tous les liens des partenaires, les bons de réduction et les liens des toiles, en tout cas des projets qu'on vous présente. Merci à Paint Samway. Je suis contente d'avoir sélectionné ce genre de petits produits. Ça peut être très sympa à faire, ma foi. Tac, 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 tac. Il y a des confettis, mais en fait, tu les retrouves juste en dessous, les couleurs. Donc, bon. J'aime bien. Puis j'aime bien quand c'est pas trop large, tu vois. Tu fais ça, clac, 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 clac. Bon, après, tu peux mettre sur un cadre aussi, hein. Un cadre que tu n'auras pas perdu, comme moi, j'ai perdu le mien. Bref. Eh bien, c'est tout. Je vous embrasse bien fort. Passez une excellente fin de journée. Et on se dit à plus tard. Allez, bye bye les gens. Gros bisous.